Castle du Berlay, il arrive. Voici donc le numéro 34, Castle du Berlay. Alors un cas très très particulier. Excellent cheval de course et dès l'âge de 3 ans, meilleur steeplechaser d'Anguin puisqu'il a gagné la liste de le prix Roger de Mainvielle, le grand steeple des 3 ans à Anguin, sous l'entraînement d'Arnaud Chaillé. Castle du Berlay, issu d'une origine de champion. Son père Saint-Dessin, qu'on ne présente plus, et sa mère Royal Athénia. Souvenez-vous, à la grande époque du père Gallo, Royal Athénia, montée par Cyril Gombeau, gagnante de groupe 1, entre autres dans le prix Renaud du Vivier, gagnante de 10 courses, dont 8 courses de groupe, Royal Athénia, une fille de Garde Royale. C'est le croisement magique de Saint-Dessin sur Garde Royale, avec la meilleure souche de Gilbert Gallo, qui est représentée ici. Il faut savoir que l'éleveur de Castle du Berlay, Jean-Marc Lucas, avait déboursé 300 000 euros pour acheter la mère Royal Athénia aux ventes. Il avait déboursé 300 000 euros pour acheter la mère. Ça reste aujourd'hui la mère la plus chère de toute l'histoire des ventes publiques. La jument d'obstacle achetée le plus cher de toute l'histoire des ventes à Arcana. Et c'est la mère de Castle du Berlay qui, avec un tel profil, a évidemment attiré énormément de juments pour sa première saison en 2018. La preuve, il a sailli 132 juments en 2018, c'est-à-dire ce qu'il est rocodor des jeunes étalons d'obstacles. C'est lui qui a sailli en France le plus de juments dans la catégorie des étalons débutants à profil obstacle. Castle du Berlay, 1m64, un fils de Saint-Dessin, la mère par Garde Royale, fils de champion et lui-même très bon cheval en steeplechase.